certain, mon Dieu. J'arrive. J'arrive. Tu ne m'ouvres pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'étais à la douche, toi aussi. J'étais à la douche. Attends, dis-moi, chérie. Tu vas même mettre la clé. Viens. Tiens, tu fermes ça, pourquoi? Attends, dis-moi, chérie, tu ne retournes plus. Non. Le vol a été renvoyé. Mais le patron a dit que le voyage est maintenant renvoyé. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est dans la semaine. Mais il n'a pas encore donné la date. Donc, tu ne parles plus. Non, ça va. Donc, c'est vraiment... Au contraire, je te dis que je suis même content. Tu as vu, je suis sorti à 5h du matin pour aller à l'aéroport prendre le vol de 6h. J'ai donc c'est renvoyé. Très renvoyé. Et puis d'abord, profitons de ce temps. Chérie. Bon, chérie, si quelqu'un vient me demander, tu dis je ne suis pas. En tout cas, pour moi, c'est déjà que je suis en mission. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un vient demander, Dibakou est où? Tu dis, Dibakou n'est pas là, Dibakou est en mission. Je veux profiter de ce temps. Chérie, je m'en vais. Chérie, on ne peut même pas. Malos, oui. Faire quoi? Elle envoie l'enfant ici là. Non, laisse tomber. Ceux-là, ils n'attendent que la fin du mois pour venir demander de l'argent. C'est tout. Mais je te dis que je suis en mission. Chérie, attends. Je te jure, c'est une histoire grave qui s'est passée au quartier. Une histoire grave. Moi, j'ai envie d'aller me reposer, histoire toi aussi. Chérie, attends, tu vois ton ami. Ton ami là, va l'alcooliser. Attends, donne d'abord. Faire balcooliser à moi, ça va. Qu'est-ce que sa femme a fait? Toi, sa femme verra, non? Ouais. C'est qu'elle a fait. Mon Dieu, c'est que sa femme a fait. Elle fait quoi? Tu vois, non? Combal Bagosi, il est parti en mission là. Hein? Pour 5 jours. Ouais. Il est parti en mission pour 5 jours. Ah, d'accord, il devait partir aussi en mission comme moi. Oui, il est parti en mission pour 5 jours. Tu sais ce que sa femme a fait? Pendant qu'il est parti en mission, elle appelle Kamal au copain. Satan Maria! Je te jure qu'elle a appelé son copain! Dans la maison là où? Dans la maison qu'elle habite avec moi! C'est. Elle a appelé son copain. Quand tu appelles pour le copain comme ça, le copain vient, ils vont dans la chambre là. Ouais. Ils vont dans la chambre. Au moment où ils veulent s'embrouiller comme ça là, elle entend seulement devant la porte. Dieu ne dort pas! Dieu ne dort pas! Attrape-le! S'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà madame là-bas. Panique générale dans la maison. Je t'ai dit. Tu sais ce que la bonne dame a fait pour faire sortir le copain? Non, elle a fait quoi? Ça, c'est une sorcière. Elle est femme? Une vraie sorcière. Une assassine même. Tu sais comment elle a fait pour faire sortir le copain? Elle a fait quoi? Elle avait un foulard comme celui que j'aurais là. Elle a bandé le mari les yeux. Ah, c'était pour faire sortir le copain. Oh. Et le copain est dans la chambre. Le copain est dans la chambre. Donc elle attache le mari les yeux comme ça pour faire sortir le copain qui est dans la chambre. Mais oui, gay. Tu ne vois rien, non? Mambo. Non, il y a des choses qui se passent. Sors! Sors! Elle demande au copain de sortir. Oui, elle demande au copain de sortir. Donc tu sais quoi? Sors! Et là, elle demande au copain de sortir. Là, elle demande au copain de sortir. Sors! Mon Dieu! Et puis après? Sors! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et le copain est sorti. Hein? Quand le copain est sorti, elle a enlevé le foulard. Et le mari est resté là comme un gros maboule et il n'a rien vu! Ah!
pour toi. Même pas tu m'avais avisé. C'est une sorcière. Une sorcière. Quelle ma boule. Un vrai ma boule. Non, mais quelle ma boule. Tu sais, chérie, il y a une chose qui me fait rire là-dedans. Quoi? Non, tu sais ce qui me fait rire dans tout ça? Non. C'est qu'il y a des hommes ma boule. Des vrais ma boule. Non, mais quelle bête. Non, il y a des hommes ma boule, mais moi, on ne peut jamais me faire ça. Je te jure, jamais, en aucun temps, on ne peut jamais faire ça. Attends, Liba. Oh. Voilà, moi, je ne peux pas te faire ça. Non, attends, on t'attache les yeux, tu es là comme un dindon, le compresseur, tu es là. Et moi, faut pas suivre. Moi, les médicaments que les grands-parents m'ont donné au village, c'est pour avoir le 6e sens. Et moi, quand vous faites tout ça, je suis déjà au courant. Et je ne sais pas. Chérie, pardon, tu vas même reposer. Non, mais c'est ce nom d'énorme. On ne peut pas te faire ça. Voilà. Quelque chose que je viens de faire, je suis dit carrément que je ne peux pas lui faire ça. Quelle chance. Oh, vous allez m'écarter.